Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la suite de ce Let's Play sur Surviving Mars. On continue notre aventure ensemble avec le chat Twitch. Il y a pas mal de personnes qui nous ont rejoints. Regardez en haut, on est 17. C'est plutôt cool, merci à vous d'être là les amis. Ok, donc là on va continuer au niveau de la production. Donc ça, il va falloir que je rallume, que je remette une plage horaire. Parce que là, j'ai pas beaucoup de production. On produit quasiment rien pour une consommation de 16. Donc, c'est pas bon. Forcément, c'est pas bon. Les appartements ici, il y a de la place dedans. Mon institut de Hawking, il y a de la place dedans. Très bien. On fait arriver les passagers qui n'ont pas de spécialisation, mais qui vont pouvoir être formés suivant nos besoins, uniquement directement en fait dans les universités. Et le trop-plein ira directement utiliser tout ce qui est épicerie, etc., etc., etc. Donc les touristes viennent sur Mars. J'ai pas pris des touristes hein, quand même. Hein. Et j'ai pris des touristes. Les touristes arrivés, mais cassez-vous les touristes! Qui vous a dit de venir? N'importe quoi! On joue Lego à 3. C'est pour moi, mais j'ai 12 ans. Ok. Tu m'as fait taper une barre. Ouais, prête pas attention non à ce que dit GG Don Freak. Nous-mêmes, on n'écoute pas ce qu'il dit, donc de toute façon. Petit troll. Ok, ça c'est bon. Ça c'est bon. Et ici, c'est parfaitement bon aussi. S'il me fait marrer. Mais oui, mais il est gentil, GG, il est adorable. Tu fais de catéchisme. Mais putain, mais tu sors des trucs, je sais pas d'où tu me sors toutes tes conneries. Ok, donc là, ça ici, c'est pas mal. C'est pas mal. On a gagné 5%. Ok, il va falloir que je relance une nouvelle direction pour... Alors, pas apporter des gaz à effet de serre. Éventuellement. Apporter des gaz à effet de serre. Ça coûte 60 millions... Et 30, et ça prend 3 sols, 2. 2 et 1. Ça coûte cher quand même, là. Ça coûte cher. Retour du projet capturer des astéroïdes. Préparez-vous à un éventuel tremblement de terre. Ok. Atterrissage détecté. Ok, problème de transport, charge élevée. Alors, là ici on va en enlever un petit peu. 1, 2, 3, 4. Charge élevée, 1, 2, 3, 4. Hop. Ici. 1, 2. Charge élevée, 1, 2. Ok. Quoi ? Charge utile à rien. Commence à être bien bien vert ici. Hein. Et là, j'ai d'autres trucs qui arrivent là. Non, 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 mais là, il y en a trop là. Vous attaquez ce truc là. Hop, alors. Voilà, impeccable. Faut que je fasse démonter dessus. Alors, démonter dessus. Pour l'instant, ça va, ça n'a pas atterri là. Oh, le truc relou. Pas qu'ils prennent les métaux, là. Je veux pas qu'ils prennent les métaux. Du coup, toi, ça passe comme ça. Toi comme ça, toi comme ça. Ok, 2 sur 10. Là, 2, ok. Là, ici, un petit peu. Là aussi, encore. Là aussi, encore. Et je veux pas de géologue à l'intérieur, moi. Donc il nous faut quoi? Il nous faut des botanistes, il nous faut tout en fait. Fusée de transport.
filtre, spécialisation, mais il nous faut tout en fait. Ok, appliqué. Alors, pas de spé, botaniste et agent. Ok. Lançons ça et puis voyons ce que ça donne. Kétrard, toi, tu as fait ta communion, ta confirmation. Alors, moi, je suis anti-religion, moi. C'est plus grave. Ok. Parfait. Par contre, je suis pour l'apéro. Mais il faut pas le dire. On boit, bien sûr, de l'apéro sans alcool. La fête est plus folle. Hop. Regardez, la preuve, je ne prends que du coca. De l'EPO? Non, jamais. Jamais, j'ai arrêté d'en prendre. Au pastis olive. Non plus. Ah, mince. J'aime pas tout ce qui est anisé. Hein. Ça me donne un peu la nausée. J'ai un peu du mal avec ça. Ok, un bâtiment non fonctionnel. Lequel ne fonctionne pas? Ici, c'est... Ça produit, mais pas beaucoup, quoi. On produit quoi? On produit 2 pour consommer 16. Par contre, on a pas mal stocké en termes de... En termes de... Ouais, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, du coup, ici, si je veux mettre au niveau... qu'est-ce qu'on a ici? 1 sur 24, ok. Donc, si je veux mettre du shopping comme ça, ok. Je vais mettre un magasin d'électronique pour faire pour de l'art, ok. Et que je veux mettre éventuellement, une recherche, un laboratoire de recherche. Voilà, ça c'est parfait. Salut Perle! Tu vas jouer à Nanar, à Nono, désolé. Alors non, je jouerai pas à Nono rétro. Ok. Non, il n'y a aucun moyen que je finisse comme Nono rétro, c'est impossible. Impossible, impossible. Ok, donc là on continue de stocker. 4 colons arrivés. Alors, recherche réalité améliorée. Ok, agriculture sans dôme. Après, on va falloir qu'on améliore ça aussi. Le processeur de carbonate. En brûlant des roches stériles. Ok, ça, ça va me coûter cher. L'agriculture sans dôme. Après, des aliments OGM. Ça. Le sanatorium. La fusion nucléaire, mais tout ça c'est bien en fait. Alors non, fermé. Tout ça c'est bien. Il est là le problème. C'est que tout est bien. Charge des drones élevés. Ici il n'y a que 2 drones. Ah oui, est-ce que je peux fabriquer... Est-ce que je peux faire des fabriques de drones? Normalement, oui. Hein. Atelier VR, bâtiment professionnel dédié à la création de mondes virtuels. Les ouvriers reçoivent un bonus de confort moral et contribuent à atteindre le jalon des ateliers. Consomme de l'électronique. Ok. C'est pas ça que je cherche. C'est pas ça que je cherche. Est-ce que j'ai créé le truc pour faire les... pour pouvoir faire des drones? Alors, bâtiment professionnel, premier compte parmi les jalons ateliers, consomme des pièces détachées. Ok, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux non plus. Il n'y a aucun truc que je veux ici, là. Ok, on va améliorer ici. Très bien.
Sans une place, est-ce que j'irai pas commencer à taper dans la fusée de transport au niveau des filtres? On va prendre des défauts, on va commencer à prendre des défauts. Productivité, travail, double la perte de santé mentale, 50% de perte, 20 de santé mentale en allant. Ok, gourmande, mange deux fois plus, on s'en fout. Hypochondriaque, cherche à visiter aléatoirement des bâtiments médicaux. Ok, on s'en fout. Idiot, 10% que je... Non. Solidaire, non. Feignant, non. Mélancolique. Peut-être dû à une dépression. Oui, mais je peux plus avoir de dépression, donc c'est bon. Perte de santé mentale lorsque son confort est bas. Ouais, mais il n'y a pas de confort bas. Donc on va faire appliquer. Et on va mettre au niveau des filtres. Spécialisation, on va virer les touristes. Voilà, appliquer. Ok, je lance. Fusée de transport. Ok, je relance. Toi, tu repars sur Terre. Et fusée de transport. Ok, je relance. Ok. Putain, la vache, je vais faire un arrivage massif là. Un arrivage massif de personnes. 6 adolescents, un enfant. J'ai 37 seniors, 82 personnes d'âge moyenne. Ça m'embête un peu. Là, qu'est-ce qu'on a? 13 passagers, 22 passagers, 22 passagers. Ça, c'est en route vers la Terre. Ça va faire des gaz à effet de serre. Ouais, ok. 9 d'énergie, ça c'est bon. Ok, 5, 8. Les gaz à effet de serre. Je vais pouvoir refaire des... Après, il va falloir que je refasse ça, quoi. Les puits toxiques, ça va bientôt arriver après, hein. C'est quoi? C'est 10% les puits toxiques, il me semble. Puits toxiques. Ah non, 25%. Alors ça dépend de l'atmosphère, ça ne dépend même pas de la flotte, ce qui est étonnant. Par contre, on va pouvoir faire de l'herbe bientôt. Ok. Parce que là, effectivement, là on est bien. Là, ici on est bien, on est quasiment à 100%. Là, ici on est bien, toujours à 45. Là, on produit toujours, donc c'est cool. Là, ici, ok, deux de recherche. Ça, je vais ouvrir la plage ici. Là, ici, j'ouvre. Là, ici, j'ouvre. Ok, luxe, shopping, etc. Très bien. Alors, il y a de la marche si peu. Seulement, il y a du vent là, non? Il y a quand il y a du vent, normalement, j'ai ma production d'électricité qui augmente. Donc la production, je suis à 900, demande 837. Ça va, c'est une production plutôt pérenne. En termes d'éoliennes, je produis 16 pièces détachées, j'en consomme 11,9, donc c'est bon. 19 bâtiments non fonctionnels. Ah oui, c'est parce que j'ai pas assez de personnes. Alors, voyons voir. Hop, toi je te détruis. Ok. Est-ce que je peux rajouter encore en terraformation un truc supplémentaire? Mais bien sûr que je peux en mettre un de plus. Donc toi, je te mets là. Je te relie avec un câble. Hop. Et je mets juste à côté un petit dépôt. Un dépôt de graines. Et c'est parfait. Voilà, comme ça on va agrandir la zone de plantation. Tout confondu, on fait combien par cycle? Tout bâtiment, 0,4. Ok. Donc on va mettre celui de 22 d'abord, celui de 22 aussi. Ce qui va me faire pas mal de monde en plus quand même. Et dès que ce sera rempli et vidé,
Remarque, je peux mettre les autres ici. Je vais mettre là, tiens, les autres. Hop. On aura quand même du chargement et tout. Ça marchera aussi. Marchera pareil, même d'ailleurs. 24. Là, un petit peu de place. Voilà. On vient remplir les infirmeries. Donc, on n'a plus besoin de géologues. Ils vont tous arriver dedans. Ils vont tous arriver bosser et faire ce qu'on a besoin. Ok. Très bien. 4-8, etc. Ah! Apporter des gaz à effet de serre, apporter des gaz. Ça y est, j'ai des pluies. Oh, trop fort! Impeccable, on a nos premières pluies. Alors, normalement, je crois que ça fait pop des zones de radiation, des zones qu'il faut absolument nettoyer pour pouvoir être bien. Alors, du coup, tac. Des dragues au vu au sud de tous. Ok, toi je te renvoie. Non, pas perte de ressources. Toi je te renvoie pas. Et s'il y a quoi, il y a charge utile? Rien. Ok. Les dragues sont où? Parce que là, avec les puits, pour les retrouver, ça va être relou encore. Les dragues, les dragues, les dragues. Voyons voir si on les voit. Importer des gaz à effet de serre, sauf quelques pierres livrées depuis la Terre par les embarcations visibles à l'œil nu, etc. Qui dissout la roche et contribue à épaissir l'atmosphère en libérant des gaz stockés. Très bien. Donc là, à ce niveau-là, je vois pas de drague, ce qui est plutôt un bon signe en fait. Ce qui est plutôt bon signe en fait. Je sais pas où il serait, mais c'est plutôt cool. Ok. Alors, conférence de presse. Ni d'un contact, ni d'un conflit, mais plutôt d'une concurrence imprévue. Ok. On va les manger tout cru et puis basta, hein. Pas tergiverser, on va les bouffer. On va les manger. Ok. Interrompre le lancement. Donc toc. Et où t'es là? Ok. Ok, 55 places de libre. Institut de Hawking. Ok, très bien. On va refaire une recherche. Ben là, c'est bon. Sous-traitance, c'est bon aussi. Ok, parfait. Là, c'est cool. Ok. Ok. La prospérité de notre colonie. Ok, d'accord. Ok, ça c'est le mystère qu'il y a là. Donc, puits toxiques. Ah, c'est ça, c'est des puits toxiques. Donc, je veux voir où est-ce qu'elle tombe. Voilà, et là, ça nous fait des zones toxiques. Voilà. La qualité du sol et tue la végétation. Et donc ça doit être nettoyé par des drones. Absolument. Si je veux pas avoir de problème. Du coup, au niveau des réseaux de drones. Ici comme ça c'est bon. Réseau de drones. On va faire. Je tire un câble électrique. Parfait. Très bien.
Là, au niveau de la flotte, on se remplit. On est à 10, hein, quasiment. Ok. Donc toi, t'es rempli, tu repars. Ok, on va prendre ça pour une maintenance. Hein. 5, maintenant c'est bon, on n'a plus de problème de ressources. Toi, je renvoie vers la Terre. Toi, je vais te charger à fond. Et une fois que tu vas être chargé de ressources, non, je ne charge pas de ressources qui prennent de la thune parce que je ne produis pas beaucoup. Je ne produis même plus du tout en fait. Toi, tu es vidé. Ah! J'ai pas fait gaffe à ça. Ok. Donc, production de métaux rares. Heureusement que j'avais anticipé et que j'avais d'autres classements possibles. Donc, toi, à donf au niveau de la rapidité. Très bien. On va faire câble électrique ici. Très bien. On va te mettre un dépôt de stockage juste à côté. Très bien. Toi comme ça là. Hop. Récupérer. Ça c'est récupéré. Très bien. Donc, toi, je t'en renvoie. Toi, je t'en renvoie. Toi, je te fais arriver là. Ok, parfait. Mise à niveau, mise à niveau. J'ouvre une deuxième plage horaire. Il me faut plus de géologues. J'augmente la vitesse. Ok, et je me dis qu'il me faut que des personnes spécialisées là-dedans. Amplificateur, un par sol, c'est tout. Alors, morale 0. Pourquoi il a 0 de morale là? Non, il peut pas avoir 0 de morale. Confort 61, morale 50. Ok. Et là, ça y est, on reproduit là. Ok, très bien. Et là, on produit 461. Ouais, ça va. On a le temps de voir ça. Donc, ici. 5, 6, 7, 8, 9. On va analyser là où on est aussi. Hein. Ce serait bien. Toi, je te ramène là. Toi, je te vire. Toi, je te vire. Hop. Voilà, impeccable. Toi, tu pars de où? Tu pars de là-bas. Vérifions. On n'a pas besoin de géologues, on a besoin de botanistes, d'ingénieurs, de docteurs, de scientifiques et d'agents. Ok. 57, donc 3, 6, 94 personnes d'âge moyenne, des seniors. Bon. Est-ce que je ferais pas touriste en partance de Mars 2? Ok, bâtiment non fonctionnel. Est-ce que je ferais pas quelques bâtiments en maison intelligente pour donner un gros confort de vie? Un gros confort de vie à quelques personnes. Il y a peut-être moyen que du coup ils se reproduisent un peu plus ici. Ça peut jouer. Ça peut jouer, augmenter au niveau de la crèche. Ça c'est là, ça c'est là, ça, ok. On va faire une crèche du coup. On va faire un terrain de jeu. Ici, et on va mettre un petit parc avec un étang ici. Ok, il me restera une place de raccordement là-bas. Et ben voilà. Donc là, ici, ils ont 80 de confort, alors que dans les bâtiments comme ça, ils ont 50 de confort. Donc, ouais, ceux qui sont là, ils vont se mettre bien. Ils vont se mettre super bien. Du coup, ça va me baisser la.
les nombres de places ici. Deux personnes, une personne qui n'a pas de taf. Scientifique. Scientifique, tu peux venir habiter ici, éventuellement. Ok. Travail, là. Ah oui, là c'est déjà complet là. Là c'est. Hop, quasiment complet. Alors, du coup, senior, docteur. Hop. Là, il y a de la place pour tout le monde. Si ton rover a IA, les zones toxiques sont nettoyées. Oui, pardon, tu as raison. Alors, du coup, ça me fait penser que du coup, il faut que j'aille là-bas. Transport et ravitaillement, etc., etc., etc. Ça, j'ai pas besoin de prendre. Les polycarbonates, etc. Alors. Ok. Donc. Débloque la plantation de buissons et d'arbres dans les sites de boisement. Non, ça, il n'y a pas besoin. L'amélioration d'usine, ok. Les réacteurs à fusion. Fusion nucléaire. Plutôt faire ça. 50 conditas supplémentaires sont disponibles. Fusil de transport, on va mettre des filtres au niveau de la spécialisation. On va prendre que des personnes sans spé. Ok. Appliquer filtre. Au niveau des défauts, on retire les défauts, appliquer, 4, vendu, travail, sexy, etc. Ah oui, au niveau de transport, retour, on va vérifier au niveau des âges, les ados, on va tout aider, les ados, les adultes, on vire les âges moyens, les seniors. Ok, appliquer. Filtre, défaut. On s'en fout des défauts. Appliquer. Ouais, il y a pas mal de trucs. On va lancer. De 22 là. Comme ça, il y en aura un petit peu partout. 22, 91, je peux faire. Donc je peux en relancer encore. Pas de spécialisation. Des ados, des enfants. C'est bien. On va redynamiser un petit peu parce que là, on a une population qui est extrêmement vieille. Ils sont tous d'âge moyen ou d'adultes, il n'y a quasiment pas d'enfants ou d'ados. Tu sous-estimes l'impact des flèches bien choisies. Mais j'attends d'avoir le sanatorium là pour pouvoir retirer les trucs comme ça. Remarque. Est-ce que j'aurais pas des flèches en médical augmente son taux pour faire des naissances. Étant donné que j'ai tout ce qu'il faut là, éventuellement je peux mettre ça là. Et un autre ici comme ça. Médical. Mais il va me falloir plus de docteurs. Du coup, quand je mets ça, la question c'est est-ce que j'ai toujours besoin d'une infirmerie ou pas? Parce que si j'ai plus besoin d'infirmerie, je la vire et je remplace par des logements de confort. Ce qui va en plus augmenter le pourcentage de chances qu'ils se reproduisent. Où est-ce que je dois laisser les docteurs? Là, les 6 navettes sont en vol. Tout est en vol, donc il faut que je rajoute des navettes. On va rajouter des navettes. On va se rajouter quelques navettes. 10, 15, 10. Alors, toi tu transportes, ok, c'est parti. Quatre, 22, 21. Après, on va pouvoir reprendre, on va pouvoir recapturer et regagner 5%. Ok. Oh.
22 passagers. La dernière, je la mets là. Très bien, on verra après ce que ça donne la prochaine fois. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous YouTube. À bientôt. Ciao, ciao.